Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, poursuit sa tournée en Amérique latine avec une étape au Venezuela. Reçu par le président Maduro, le chef de la diplomatie russe a appelé à une union avec ses alliés pour contrer un supposé chantage occidental. Le Venezuela est un allié clé de la Russie. Soumis à des sanctions américaines qui étouffent son économie, le pays a signé des accords avec Moscou sur l'exploitation pétrolière et minière. Мы солидарно с венесуэльскими друзьями выступаем с единых позиций в защиту права народов самим определять свое будущее, свою судьбу без вмешательства извне, без диктата и шантажа и без, конечно же, попыток повлиять на них незаконными односторонними ограничительными мерами, которые сейчас практикует коллективный Запад. Le Venezuela soutient la Russie sur le dossier ukrainien. Le Brésil a lui aussi imputé la responsabilité du conflit aux Occidentaux. Critiqué par Washington pour cette position polémique, le président brésilien Lula a finalement clairement condamné la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine ce mardi. Sergueï Lavrov est par la suite attendu à Cuba et au Nicaragua, deux autres pays hostiles à Washington.